Jean, ici c'est Shadow Aremy, on se retrouve aujourd'hui pour un 15e épisode sur Kingdom Hearts Melody of Memory. Mom. La dernière fois on avait terminé Drip Drop Distance qui est tout là-bas, très très loin, 3D. Au fond de la galaxie. Voilà, KH3D, tout à fait. Et donc du coup, avant d'entamer KH3, parce que vous pouvez voir en dessous que c'est les étoiles orange KH3, KH3 est plutôt rapide, plutôt court. Donc un petit peu de déception, sachant que voilà tous les niveaux qu'il y a et les musiques cool qu'il peut y avoir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord... Suivez bien, d'accord. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire ce truc-là, qui correspond en fait à quand, à quoi est dans le monde des ténèbres. Voilà, tous les 10 ans qu'elle passe dans les 10 ans. Ouais, je crois, un truc comme ça. C'est 10 ans ? Bah, elle passe longtemps dans les ténèbres. Les plusieurs années qu'elle passe dans les ténèbres, en fait, ce qui correspond à Fragmentary Passage. Notamment. Puis on va faire les boss secrets et ensuite on enchaînera dans une dernière ligne droite avec KH3 et la suite du scénario de l'histoire. Voilà, tout simplement. Et on commence tout de suite avec cette musique. Tu l'as déjà vu. Je vais la faire en standard. Parce que niveau. Je voulais la faire en expert, mais en fait, niveau 15 du premier coup, je pense que je vais crever. C'est la moyen, ouais. Je pense que je vais crever. De ouf. Je me souviens, c'est une galère. Parce que celle-là, en fait, on l'a jamais dans la démo. Elle est pire, hein. L'expert est horrible. Putain. Oh non, j'ai loupé le dernier. Oh non, Nounou, t'allais faire un sans faute. Non, j'ai fait deux erreurs en tout. J'avais déjà fait une erreur au début de ça. Mais ouais, c'est bien celle qui était dans la démo. J'avais mais peur que ce soit pas exactement celle-là. Mais elle est très très cool, mais par contre, ouais, hyper dure. Hyper dure en expert. Hein, parce que en fait, toutes les notes que vous entendez au piano, c'est toutes les notes que vous jouez. Ça fait. Ouais. Donc c'est très très bien. Et à la fin, ça fait. Oui, à la fin, ça fait. Oh, déjà une cinématique incroyable! As Aqua wandered alone through the realm of darkness, familiar worlds from the realm of light appeared. Something was wrong. As she hurried onward, silent visions of Terra and Ventus emerged before her. And she was even forced to fight against a vision of herself. Aqua began to realize the vulnerability of her own heart and desperately chased after her friend's images.
After defeating a massive Heartless, Aqua was finally able to speak with Terra, who had ties to the Realm of Darkness. But moments later, he was taken over by Master Xehanort. Aqua was saved just in time by Mickey. He was there searching for the Keyblade that belonged to the Realm of Darkness. Together, they arrived at Destiny Islands, which had fallen into darkness. Aqua realized that she had been to this world before and mentioned that this was where she had met Sora and Riku, which helped Mickey find the Keyblade he was searching for. They had everything they needed. Now they just had to close the door. Suddenly, Heartless appeared, and Aqua faced them, knowing she'd be trapped in the Dark Realm. Having fulfilled her duty as a Keyblade Master, Aqua watched the world regain its light before her eyes as she fell to the depths of darkness. Years passed, and preparations were made to search for Aqua. We all set off toward different destinations, each with our hearts as our guiding key. Cette phrase me dit quelque chose. Mélodie, plongée mémorielle d'Aqua. Incroyable. Eh ben, on va aller tout de suite faire, du coup... Les boss cachés, qu'on nous a montré un petit peu, hein, donc ils sont un peu moins secrets, mais... jusque-là, waouh. Hop, du coup, je regardais juste un petit truc technique. Du coup, bien, on va juste... À chaque fois, il n'y a qu'un seul morceau, on est d'accord? Oui. Ouais, et bah tu vas choisir celle que tu veux. Mélodie du combat entre Keyblade. Je veux celui-là. C'est Trist. C'est il est très beau, mais il est très triste. Ça me ressemble tout à fait, ça, triste. Quelle tristesse. Ça s'arrête comme ça. C'était tellement beau. On aurait presque pleuré. Ouais. Bah, c'est une musique très triste. Déjà celle-là, la situation, parce que c'est celle que... C'est de Roxas. C'est les combats entre Keyblades. Ah. C'était en tout. Merci bien. Je ne sais pas du tout laquelle est-ce que je vais faire. Il y en a une de Final Fantasy. Ah. Celle de gauche. Another side. Okay. Alors là, on a Mélodie persistante. Rage Awakening, ça c'est
c'est contre la volonté persistante de... volonté persistante... l'armure. L'armure de Terra. Et ça... c'est la musique de Sephiroth. C'est exact... c'est, rigole pas, la musique est basée... Je sais. Mais par contre, ça va être... c'est une horreur. Choisis celle que tu veux. Je te laisse l'autre. Par contre, je la fais en standard, hein, parce que c'est marrant. La musique n'est pas du tout agréable, et le combat était horrible. Voilà, ah oui, je m'en rappelle. Si vous ne vous souvenez pas du combat voilà, contre Sephiroth, il commande... tous les combats commencent par une attaque imparable qui vous laisse avec un point de vie. C'est vrai. C'est terrible. C'est pas du tout stressant. Hein. Pas du tout. C'est rare que ça chante. Mais si. Sephiroth. Mais c'est ça. Mais c'est terrible. En plus, il vient d'être annoncé il y a quelques semaines dans Smash Bros. Ah ouais, ouais. Ça me fait rire. C'est sûr que le style de musique change un peu. Ah bah, tu étonnes. J'aurais vu ce style de musique dans Notre-Dame de Paris, quoi. Ça ouais. Et B. Ça s'appelle une musique magistrale. Sans faute. Good job. Sephiroth. Ouh. From Final Fantasy VII. Ah, t'aurais pu faire un excellent un partout. Excellent. À une près. Fuck you. Damn. Fuck you, Sephiroth. Ah, mais attends. Attends, mais... t'étais à rien. J'ai quasiment tout essence, suivi. Objet en difficulté. C'est les petits bâtards. Allez, je te laisse faire la dernière. Contre l'armure de Terra, la volonté persistante. Qui est une de mes musiques préférées. Ah oui? Mais pourquoi tu l'as pas fait? C'est une très bonne musique. Parce que je sais que je vais la faire juste après. Tu veux la refaire après? Je sais que je la referai plus tard. D'accord. C'est une très belle musique. Très très belle musique. D'accord. Aria, très belle musique. Ah oui, d'accord. C'est ça? Presque. Je peux prendre en même temps. On l'avait déjà fait celle-là. Bah, y a d'autres musiques qui ressemblent en fait, qui sont tirées du même thème en fait de Terra.
Est-ce que j'ai fait honneur? Très belle exécution, c'est un sans faute pour moi. J'ai fait un sans faute, non? Bah oui. Ah, je t'ai dit pour moi, j'ai dit merde, j'en ai loupé. Mais non, mais parce que avant même que tu le dises, moi, c'est, pour moi c'est un sans faute, tu vois. Je te fais dans mon équipe. Je te fais dans mon équipe. Ah, plus, 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 plus. Tout ça parce que ce n'était pas en difficile. Oh. Et voilà! C'est ainsi que ça s'achève cet épisode. Non! Bien sûr que non, enfin. Il reste un tiers. Fate of the Unknown! Justement, parce qu'il y a Fate of the Unknown qui ressemble beaucoup, et Fate of the Unknown, on l'a. Il y a la... On l'avait déjà, en fait, le Fate of the Unknown. Et nous voilà! Donc, dans KH3, incroyable, nouveau jeu, nouveau avec départ. Avec Toyo Story, le fameux Toyo Story. Et réponse. En effet. Tu veux commencer? Et ils ont même pas commencé avec le Colisée. On avait commencé. Peut-être parce qu'on a fait toutes les musiques du Colisée, de 4 fois déjà. Ouais. Oui, quand t'arrives, non, hein, tu vas au Colisée. Hein. Et du coup, là, on a eu les étoiles rouges. Par contre, il n'y a qu'un seul morceau à chaque fois. Prends un Toy Story, chouchou. Ça va aller vite, hein. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a... Oh, tu l'as vu, celle-là, hein. Ah, je vais pas m'en priver. On va même la faire en expert, c'est quoi? Parce que je l'aime bien. Allez, let's go. Est-ce que tu crois que ça va chanter? Ah putain, bah ça va niquer l'enregistrement, ça veut dire. Ah, mais merde! C'est une plongée mémorielle. Tant pis. Ça veut dire que ça va être hyper dur. Ah putain, en expert, tu l'as fait. Voilà. Est-ce que ce sont toutes les plongées mariées? Merde. Pardon. J'ai pas réussi à entendre ce que t'as dit. On verra après. Ça marche. Putain. Ouais, je sais. Ma question, oui. C'était est-ce que ça va être à chaque fois que des plongées mémorielles? Pour tout cas H3? Ouais. J'espère pas. Sinon, ça veut dire qu'on va pas pouvoir montrer un seul visage de KH3. Et ça risque d'être très chiant. Je sais pas. Ou alors ce sera juste les vidéos les plus strike, les plus claim de tous les temps, quoi. Donc je suis désolé sur. En fait, à chaque fois que la même plongée mémorielle, la vidéo a tendance à se faire claim. Donc si vous voyez des pubs sur mes vidéos, déjà sachez qu'il n'y a pas de pub sur mes vidéos de base. Donc, les vidéos ne sont pas monétisées. Donc je suis désolé, c'est juste parce que la musique. Il y a une musique qui était claim dans le tas. Et du coup, les droits vont à quelqu'un d'autre. Et du coup, les gens mettent de la publicité pour récupérer de la thunasse. Mais par contre, j'avoue que si c'est. Si là on fait genre, il y a quoi, 21? S'il y a 21 morceaux et que c'est 21 plongées mémorielles. Non, c'est divisé par 3. Ah oui, c'est divisé par 3 en plus. Donc ça va être 7 plongées mémorielles, ça va être un peu nul. Je serais un peu déçu. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas grave. Cinématique. To prepare for the final battle with Master Xehanort, Sora set out in search of a way to regain his power of waking. In Olympus, he learned to fight for someone with all his heart.
In Twilight Town, he searched for clues about Roxas. In a fairy tale kingdom, he met one of the new Seven Hearts. And in Toy Box, he learned hearts can reside where you least expect them. Meanwhile, Lee and I were hard at work training to become Keyblade wielders. And Riku and Mickey found a clue to where Terra was. Mais oui, mais ils ont pris des chemins différents. Donc il y en a qui vont chercher Terra. Ah, pour chercher à quoi eux ils cherchent Terra? Smart. Oui, donc oui, non, on va changer l'équipe. On va remettre l'équipe classique, même si c'est, ça aurait été cool qu'ils fassent un truc quand tu débloques KH3, ça bascule en version KH3, je sais pas, un truc du genre, ça aurait été sympa. Réponse. C'est une plongée mémorielle. Désolé. Putain, c'est tout long. Ça fait chier. On va voir. Ça fait chier. Voilà. On vous cache pas qu'on est un peu déçus. Hein. C'est cool parce que ça raconte tout ce qui se passe, mais... Oui, certes. Je trouve que c'est quand même dommage. Je vois rien. J'espère que vous avez vu le dessin animé, hein, parce qu'ils sont tous spoilés. Ah, ben à chaque fois, c'est ça. Non, mais à chaque fois, je regarde et je me dis, putain, c'est vrai que c'était beau, KH3, putain. Putain, ouais. C'est vrai que c'était c'est beau. Ça, je pense putain, j'ai envie de le refaire, tu vois. Des plongées mémorielles, c'est parce que comme ils sont. Ils sont fait chier à faire plein de trucs cinématiques très en rapport avec le dessin animé et tout ça, pour que ce soit. Ouais. Comme ils ont fait péter le budget des cinématiques, ouais, ils les placent partout, quoi. Tort de s'en priver, on va dire, mais bon. S'ils pouvaient alterner entre les deux. Enfin, en fait, il y a des plongées mémorielles, tu les débloques après. Donc, ouais. Comme celle d'Aqua Ventus et tout. Donc autant nous les filer. À voir là, hein, si jamais. Mais... Je pense que c'est la même chose. Je pense que malheureusement, ça va être. Ça risque d'être pareil. Et ça risque d'être court. Ça risque d'être très court, je pense que là, si on y va. C'est que de la plongée mémorielle. Ok, très bien. En tout cas, on est prévenu, voilà, on sait ce que c'est. On va s'arrêter là, je pense, de notre côté. Nous, on va déjà voir si cet épisode
passe. Voilà, on vous a déjà prévenu. S'il y a plein de pubs, c'est pas de notre faute. Si ça se trouve, l'épisode va même pas pouvoir sortir. On trouvera une alternative ou je sais pas quoi. Après, là, visiblement, c'est pas pour des raisons. En fait, parce que la plupart des plongées mémorielles qu'on débloque dans le jeu sont parce que c'est des morceaux en fait plus ou moins copyrightés en fait. Ouais, c'est là, il n'y a pas le petit encadrement qui dit que c'est un truc un peu copyrighté. Normalement, ils arrêtent l'enregistrement. Enfin, ouais, c'est ça, ils coupent l'enregistrement en gros. Ouais. Donc là, ça veut potentiellement dire que c'est juste parce qu'ils voulaient mettre en place, ils voulaient mettre surtout le visuel et montrer tout ce qu'ils avaient fait, et pas forcément à cause de la musique. Donc il y a de grandes chances que les musiques soient pas claim, mais on sait jamais au moins. Finger crossed. Enfin, c'est quand même You Got a Friend in Me, c'est quand même une musique des plus connues de Toy Story, donc il y a quand même une chance que ce soit claim. C'est là, je pense un peu moins. Mais bon. C'est pas la musique un peu officielle du truc. Ouais, c'est ça. Mais bon, quand on a débloqué, genre par exemple The Circle of Life ou Part of That World de Ariel, c'est mort ça. Aladdin aussi. Et ouais, Whole New World, ce rêve bleu d'Aladdin, genre c'est mort. Ça, c'est sûr que ça passera pas sur YouTube. Non. Donc, vous les aurez pas. Paroles et tout. En plus, c'est les vrais chanteurs Disney qui jouent derrière, donc c'est sûr que vous ne les aurez pas. Hein. Désolé. Bref, on espère en tout cas que cet épisode vous a plu. La prochaine fois, on attaque KH3. Peut-être qu'on termine KH3. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Voilà. Salut à tous. Je fais la reine des neiges. C'est sûr. Tu fais la reine des neiges, pas de problème. Après, les coop, c'est des musiques inédites ou c'est les mêmes musiques? Je sais pas, il me semble que c'est pas les mêmes, justement. Mais pourquoi moi j'ai reconnu une musique qu'on avait fait à deux?